Aujourd'hui, nous allons travailler les transferts de poids et la rotation des hanches. Premièrement, la posture de base. Les pieds doivent être parallèles, largeur des épaules, le poids bien centré, non seulement au centre dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Donc, pas plus sur les orteils que sur le talon, mais vraiment au centre. Les genoux légèrement pliés. On rentre un peu le sacrum pour aplanir la courbe lombaire. Et on rentre un peu le menton pour aplanir la courbe cervicale. On tire un petit peu la tête vers le haut sans forcer. On laisse tomber les épaules le plus détendues possible. La langue sur le palais. On transfère le poids en tournant. Donc, pour tourner à droite, le pied gauche pousse dans le plancher légèrement et ça fait tourner les hanches, pivoter la colonne et changer le poids un petit peu d'un côté et de l'autre. Maintenant, le centre, la ligne centrale, quand on transfère le poids d'un côté, devrait rester à l'intérieur des deux pieds. Donc, éviter d'envoyer le poids directement au-dessus du pied comme ça, c'est trop. Donc, on reste à l'intérieur comme ceci. Donc, on peut faire l'exercice en synchronisant avec la respiration. Donc, une inspiration sur un côté, expiration sur l'autre. On simplement laisse pendre les bras bien relax. Et on tourne. Donc, essayez de sentir la différence de poids entre les deux pieds, de sentir les sensations internes quand on fait le transfert. Maintenant, on peut faire le même exercice dans la position avant, position gombu. Donc, pour la position, ici, on met le pied arrière à 45 degrés. Donc, je me fais face comme ça. Le pied arrière va être à 45 degrés. Le pied avant pointé tout droit en avant. Donc, on avance le pied. On garde à peu près la largeur des hanches entre les deux pieds. Le dos toujours bien droit. Donc, dans la position avant, l'épaule, la hanche, le genou, la cheville, sur un axe vertical dans une ligne bien droite. Et on transfère de l'autre côté, les hanches tournent un peu. On a ce même alignement, la cheville, le genou, la hanche, l'épaule. Donc, on pousse avec le pied pour passer d'une jambe à l'autre. Donc, faites l'exercice plusieurs fois, une vingtaine de fois, ensuite changez de côté, travaillez les deux côtés. Et ça, c'est la base. Et ensuite, on peut ajouter des mouvements avec les bras.